Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien cette fin de semaine. Que vous êtes en forme et puis on va terminer la semaine tranquillement. On va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Bonjour Mélina! Petit rappel de la séance, donc on commence tranquille par de la souplesse. Petit renforcement cheville-genou, un circuit jambes explosif et on terminera par une séquence de un petit circuit de gainage, une séquence de gainage tranquillement. Pas de matos particulier, juste un tapis et un élastique ou un grand t-shirt à avoir sous la main. Voilà. On va attendre encore un peu le temps que tout le monde arrive. Je fais des gros bisous à Mélina. J'espère qu'elle arrivera à suivre un petit peu. Puis on s'accroche, on s'accroche. Bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Salut Agathe, salut Nelly. Hop. Dites-moi si vous voyez bien l'espace, si vous êtes OK et si vous m'entendez bien surtout. Salut Nelly. Salut Camille. Yes, nickel. Ah, top. Merci, Agathe. On va attendre encore un peu que tout le monde se connecte. Salut, Dodo. En attendant, juste un élastique ou un grand t-shirt et son tapis. Il n'y a rien besoin de plus ce soir. Salut, Manon. Salut. On va encore attendre 2-3 minutes que les derniers se connectent, que tout le monde arrive. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes en forme pour ce dernier soir. Plutôt tranquille, mais on va quand même s'arracher. Yes, stop. Donc on va juste commencer par s'étirer tranquillement sur le haut du corps. On va juste attraper les mains. Hop, je me grandis et je vais venir étirer tranquillement sur le côté. Et je relâche. Deuxième fois, je grandis tranquillement et je viens étirer. On va juste se grandir, on va essayer de descendre donc bien dos plat. Et je relâche une fois que je suis en bas, je déroule, je déroule, je déroule.
On va le faire 3-4 fois tranquillement. Je me grandis. Je descends bien dos plat. Et je relâche une fois que je suis en bas. Encore. Je me grandis dos plat. Et je relâche. On va juste le faire une dernière fois. Il nous sera utile pour la suite. Dos plat. Et je relâche. Et je déroule. Il y a encore du monde qui arrive. C'est top ça. Top, top, top. Hop. Alors, j'espère que vous voyez bien mon tapis. On va commencer au sol. Tranquillement. On va y aller. Et puis, ceux qui arrivent en cours de route, vous pouvez prendre sans problème. Hop, je vais bien me mettre dans l'axe. Yeah. Top. Est-ce que vous êtes prêts? On y va tranquillement? Allez, on va venir s'asseoir au sol. Alors, je vais vous montrer sur le côté. On va venir s'asseoir au sol, tendre les jambes. On va partir bras, oreilles. Et là, on va juste laisser descendre dos plat. Interdiction de venir, hop, le dos tout rond. On reste bien bras, oreilles. Et là, on va juste tranquillement descendre 10 fois au maximum le dos plat. Là, et je remonte. En gardant bien les bras, oreilles. Je descends tranquillement et je remonte. Ça, 10 fois, son rythme. Si ça tire sous les jambes, derrière les jambes, c'est normal. Le but est d'essayer de rentrer au maximum le ventre et d'aller chercher très loin devant. On vient relâcher ses jambes tranquillement. On écarte bien. Même principe, on va partir bras aux oreilles. Donc je vais mettre sur le côté pour vous montrer. Bras aux oreilles. Même principe. Je descends bien dos plat et je remonte dos plat. Même chose, on le fait 10 fois à son rythme, tranquillement. Le but étant de vraiment garder cet alignement donc, du bout des doigts jusqu'au niveau des fesses, en rentrant bien le ventre. Dès que vous êtes prêts, vous y allez. Hop, je descends et je remonte. Je descends et je remonte. On souffle bien tranquillement. On descend au maximum qu'on peut en restant bien dos droit. Si ça commence à tirer un peu trop fort, on s'arrête à 7, sinon on pousse jusqu'à 10. Allez, il en reste 3, 8, 9 et 10. Et je souffle. Ok, tous ceux qui arrivent, vous pouvez prendre en route sans souci. Ah, il y a du monde, c'est top, c'est top, c'est top. On était sur une phase de souplesse tranquille. On va continuer tranquillement. On repart sur notre premier exercice. Tchac. Ici. Bras, oreilles, dos plat. Et le but étant de venir descendre le maximum. Et cette fois-ci, on va tenir 10 secondes. On y va? Donc, bras, oreilles, j'ai le ventre rentré, j'aspire mon nombril. Et je vais chercher loin. Et je tiens. Je garde bien le dos droit, les bras aux oreilles et le regard loin devant. 7, 8, 9, 10 et je remonte. On écarte. Et même chose. J'aspire mon nombril, je rentre bien fort le ventre, bras aux oreilles, dos plat. Et je viens tenir. 10 secondes. 5,
8, 9 et 10 et je remonte. Ok. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Ok, super. Alors, petit exercice debout pour terminer l'échauffement. Vous allez pouvoir prendre un mur tranquillement. On va juste faire un travail de battement. L'exercice, ça va être 5 battements à l'horizontale. Au cinquième, je bloque. Et 5 petits battements au-dessus de l'horizontale. 5 jusqu'à l'horizontale. Et 5 petits au-dessus de l'horizontale. On le fait une fois à droite, une fois à gauche. Dans l'idée, donc, le deuxième règle est soit sur le côté, soit main sur la hanche. Dans la logique des choses, en tant que gym, on le met bien là-haut, à l'horizontale. Et on va commencer par la jambe droite tranquillement, donc je pars du pointé devant. Et 5 battements à l'horizontale. 1, 2, 3, 4, 5, je bloque. Et 1, 2, 3, 4, 5, et je relâche. Jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5 et 5 petits. 1, 2, 3, 4, 5. On garde bien la jambe d'appui tendue. On va le refaire une deuxième fois et puis après on ira voir à bout. On retourne avec la jambe droite. Pointée devant, la jambe d'appui bien tendue, les pieds bien dans l'axe. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, je bloque et 1, 2, 3, 4, 5 petits, je relâche. Jambe gauche, pointée devant, 5 battements à l'horizontale. 1, 2, 3, 4, 5 et 5 petits. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Ok, est-ce que jusque-là ça va? On va boire un coup, on a terminé l'échauffement. On va attaquer le premier bloc sur tout ce qui est renforcement cheville-genou. Donc on reprend son tapis si on l'avait décalé. Ok, donc premier bloc, cheville-genou. Vous allez pouvoir prendre une chaise si vous avez besoin, histoire de vous tenir. Ce qui va être important dans ce bloc-là, ça va être de faire attention à ce que les chevilles, hop, je m'éloigne, vos chevilles et vos genoux soient toujours, toujours dans l'axe. Ça ne doit pas rentrer, comme ça, ou ça ne doit pas partir à l'extérieur, ok? Les chevilles et les genoux doivent toujours aller droit devant. Hop, je vais juste enlever mes chaussettes. Premier exercice. On va juste faire du travail sur monter sur demi-pointe. Donc soit vous vous tenez à une chaise ou un mur, soit vous faites sans. Là, ce qui va être important, c'est je monte. Mes chevilles doivent bien monter droite. Elles ne doivent pas s'écarter ou rentrer quand je monte. On va monter 10 fois. Le but, ce n'est pas de le faire rapidement. On le fait bien tranquillement. C'est sentir si sa cheville s'en va ou pas, ou si elle reste bien droite. On y va. 1. 2. Appuyez fort sur vos orteils. 8. 9. Et 10. Et je repose. On va le faire donc sur le pied droit. Alors je me mets de côté, j'ai besoin du mur. On va le faire sur un pied, donc tenez-vous pour être bien dans l'axe, pour avoir la cheville bien dans l'axe. Donc sur le pied droit, même principe, cheville bien dans l'axe et on monte 10 fois. On essaye de bien appuyer sur tous ses orteils et que la cheville ne parte pas sur le côté. Donc soit on se met face à un miroir pour voir, soit on regarde un peu en ayant le regard sur la cheville. 8. 9 et 10. Donc ça va commencer à piquer un peu sur les mollets. On passe sur le pied gauche. Même principe. Je pousse, pied dans l'axe. Je sens ma cheville se contracter. On pousse bien sur
tous les orteils. J'essaye de ne pas la faire partir sur le côté. 10 fois, tranquillement, c'est pas de la rapidité. 8, 9 et 10. Ok, je relâche. On va faire une deuxième série. Est-ce que ça va pour le moment? Est-ce que tout le monde va bien? Mettez-moi des cœurs ou des pouces pour me dire si ça va ou si c'est... ou si vous n'avez pas compris ou si vous voulez plus d'informations. Donc on repart sur les deux pieds. Pieds bien parallèles, un peu écartés pour être stable. Et je viens monter sur les orteils 10 fois. Donc même exercice. Je fais bien attention à ce que mes chevilles soient bien dans l'axe. Ok, top, si ça va bien. On repart sur le pied droit. Même exercice. Pied dans l'axe, cheville dans l'axe, je monte sur les orteils. Je stabilise bien une fois que je suis en haut. On essaye de ne pas trop avoir la cheville qui part. J'espère que tout le monde va bien encore, que vous êtes tous encore là.
On va combiner les deux. On va combiner la poussée au niveau des chevilles et la flexion dans l'axe des genoux. La poussée et la flexion. Donc on va juste faire. Donc je pars main sur les hanches, pieds légèrement écartés pour bien avoir la sensation. Ça va juste faire je plie, je pousse et je reviens. Vous devez sentir genou dans la direction des orteils et quand je pousse, la cheville doit avoir la même action que tout à l'heure sur les montées sur demi-pointe, bien dans l'axe. Il y en a 2 x 10 à faire. Donc tranquillement, je stabilise, je plie, je pousse, je plie et je reviens. Allez, on y va. 2. Et je stabilise. Je replace bien mes pieds. Le 3e. Et je pose. Allez, encore. À votre rythme. Vous devez sentir vos chevilles et vos genoux travailler. On pousse jusqu'au bout des orteils. Si on peut, on essaie de regarder loin devant et d'avoir juste la sensation dans les chevilles et dans les genoux. Allez, 6. Allez, il en reste 4. 3. 2. Et le dernier. Ok, on souffle un coup, on boit un coup, on n'hésite pas. Et on va refaire une dernière série. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, surtout, mettez un commentaire, j'y répondrai. J'essaye de surveiller s'il n'y a pas des messages au cas où. On y va, 2e série, même principe, genoux, chevilles dans l'axe et on essaye de se concentrer donc sur la contraction des chevilles et des genoux à la poussée et à la réception. On y va, je plie, je pousse, je reviens. Je plie, je pousse, je reviens. Ok, allez, 3. On sent ses chevilles se contracter à l'impulsion et à la réception. Et je stabilise. Allez, il en reste 4. 3. 2. Et le dernier. Et je souffle. Ok, super, top. On respire un bon coup. Ça risque de piquer au niveau des jambes, pardon. On enchaîne avec le bloc explosif jambes. Donc on tient le coup, on va jusqu'au bout. Je vous explique rapidement les exercices et après je vous explique le fonctionnement. Ok. Bloc jambes, 5 exercices. Avec un nombre de fois à faire, il y aura 2 tours. Ok. Premier exercice. Chandelle saut droit. Je pars debout. Chandelle saut droit. Ok. Jusque-là, ça va. À faire 10 fois. Deuxième exercice. Alors, ce qu'on appelle généralement... Hop, je décale juste. Hop, ce qu'on appelle généralement le patineur en fitness. Donc, je viens chercher côté. Hop, je viens chercher côté. Le pied et le genou doivent être dans l'axe face à moi. Hop, je viens chercher. On prend le temps de le faire pour ne pas se faire mal au niveau des chevilles et des genoux. Je pose bien mon pied, cheville et genou dans l'axe. Troisième, donc ça va faire 10 fois. Je répéterai, je le ferai avec vous. Troisième exercice. Saut en longueur, saut droit. Donc on essaie de prendre un peu d'espace. Saut en longueur, saut droit. Même principe, on pense tout le travail qu'on a fait juste avant, on le met en place ici. On pense aux chevilles et aux genoux bien dans l'axe. Quatrième exercice. Check. Fente, saut écart. Hein. Fente. Et quand je vais pousser, je vais écarter un peu. Voilà. 5 à droite et 5 à gauche. Et le dernier exercice, donc on va avoir besoin du tapis pour ne pas se faire mal. On va partir
On va partir à genoux. Et là, on va venir se mettre debout, sans droit. Ok? Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Mettez-moi des pouces. Dans tous les cas, je le ferai avec vous. Je répéterai les exercices et le nombre de répétitions à faire. On fait un tour, une minute de récup, un deuxième tour. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes au taquet? On tient jusqu'au bout. On va partir dans 5, 4, 3. Premier exercice, chandelle saut droit. 10 fois. 2, 1. C'est parti. Allez, on y va. 2. Chandelle saut droit. 3. 4. Allez, on vient pousser très fort sur ses jambes. Allez, il en reste 3. Allez, 2. Et le dernier. Ok, on va faire le patineur 10 fois. Donc bien, je pars sur le côté, je pense pied, genou dans l'axe. Hop, patineur, pied, genou dans l'axe. 2, 3, 4. Je stabilise. 5. 6. Allez, il en reste 3. Et le dernier. Ok, on souffle un coup. Troisième exercice. Saut en longueur, saut droit. 10 fois. Non, pardon, 6. 6 fois. Saut en longueur, saut droit. Ok, je repars dans l'autre sens. Saut en longueur, saut droit. Allez, 2. 3. Allez, on tient jusqu'au bout, on a la moitié. 4. 5. Allez, le dernier. 6. Ok, exercice suivant. Fin de saut écart. 5 à droite, 5 à gauche. Je pars en fente. Je viens plier. Saut écart. 2. 3. 4. 5, je change de jambe et on refait 5. Et 5. Ok, dernier exercice. Je pars à genoux. Squat saut droit. Il y en a 5 à faire. On y va. Et je pousse. Je redescends tranquillement. Et je pousse. Allez, 2, 3, 4. On fait attention à bien pousser. Si c'est trop dur, on fait juste des squats sautés. Et 5. Allez, une minute de récup. Tranquillement, on respire. On boit un coup. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous allez tous bien? Est-ce que vous êtes encore là? Allez, on souffle. Il reste 30 secondes de récup. Allez. On respire, on boit un coup. Dans 15 secondes, pardon, on attaque par chandelle saut droit. Dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, chandelle saut droit. Allez, 2. Allez, on lâche pas, il y en a 10 à faire. Allez, 5. 4. 3. Allez, on
souffle. Exercice suivant, saut en longueur. 5. 5 sauts en longueur, saut au roi. On respire. Adaptez la longueur. C'est parti. Allez, 1. 2. On souffle. 3. 4. On fait attention à ses genoux et ses chevilles. 5. Ok, on souffle. Fin de saut écart. Si jamais ça devient dur, on adapte. Juste fin de sauter. On respire tranquillement. Allez, c'est parti. Soit on écarte, soit on fait juste fin de sauter. 5 à droite. Et 5 à gauche. Ça doit commencer à piquer dans les jambes. Et 5. Allez, le dernier exercice. Je pars à genoux, squat saut droit. 5 fois. Ou juste tranquillement, squat sauté. Orteil, pied un peu plus large que les épaules. Orteil vers l'extérieur. Juste squat sauté, pardon. Ok. Les autres, ceux qui sont encore sur la première option, je pars ici. Je pousse, squat sauté. On souffle tranquillement. Allez. Il en reste 2. Et le dernier. Ok, je souffle. On relâche bien les jambes. On respire, on boit un coup. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que ça brûle les cuisses un peu? Ok. On va terminer donc par le dernier bloc, tranquillement. On a vachement travaillé sur le bas du corps, sur les jambes. On va se concentrer un peu plus sur tout ce qui est séquence abdos. On va travailler sur du statique dynamique. Donc une phase de statique, une phase dynamique. Et on repartira sur une phase de statique. Et ça, on le fera sur 4 exercices différents. Est-ce que ça va? Ok, tout se passera au sol, donc sur le tapis. Première séquence statique dynamique. Alors, on va partir sur 10 secondes de cuillère, 10 fermetures, donc soit jambes groupées, soit jambes tendues, et on terminera par 10 secondes de cuillère. Deuxième exercice. Alors, dites-moi si vous me voyez bien. On va partir sur 10 secondes de planche, 10 planches obliques, 10 secondes de planche. Troisième exercice, Superman. Le fameux Superman. 10 secondes de Superman, 10 fois je monte pied buste, 10 secondes de Superman. Et le dernier, on repartira sur de la cuillère. Sauf que cette fois-ci, on fera 10 secondes de cuillère, 10 fermetures, jambes écart et 10 secondes de cuillère. Vous inquiétez pas, je répéterai tout et je le ferai avec vous. Petite séquence abdos, on va faire 2 tours. Ok? 1 minute de récup entre les 2 tours. Si vous êtes prêts, on va y aller. Donc position cuillère. On adapte, on y va. Si jamais la cuillère est dure à tenir, on vient juste poser les coudes derrière. Ok? Vous êtes prêts? On y va, top! Allez, une jolie cuillère. 9, 10, 10 fermetures.
Allez, 3, 2, 1, et je tiens. Allez, on souffle. On souffle, on souffle, on souffle. Épaules basses, dos plat, je rentre bien mon nombril. 3, 2, 1, je relâche. Ok, Superman. Superman, on y va. On serre fort les fesses, bras aux oreilles. Allez, 3, 2, 1. Ok, montez jambes et buste en même temps. On serre fort les fesses. 3, 2, 1. Et je tiens Superman. Allez, 3, 2, 1. Je repasse en cuillère. Allez, 10 secondes. On souffle bien, même si ça tremble. On essaye de tenir au maximum. On peut soulager en appuyant les coudes derrière. Et 10 fermetures, jambes écart. Allez, 3, 2, 1. Et cuillère. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient.
Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que ça va? Est-ce que ça pique? Ou est-ce qu'au contraire, ça pose pas de problème? Tout le monde va bien? Ok. On va terminer par une petite phase. Donc, on va juste terminer donc par se mettre à genoux. On va venir coller talons et malléoles. On va venir poser ses fesses sur ses talons. Les talons restent bien collés. Et là, on va juste tranquillement appuyer sur ses mains et décoller les genoux. On n'est pas obligé de monter très haut. Juste, il faut que ça tire sur le coude de pied, sur le devant du pied. Hop, on décolle par phase de 10 petites secondes. Je relâche. Je décolle. Je relâche. Allez, encore une fois, je décolle. Et je relâche. Ok. On va prendre donc l'élastique ou le t-shirt au choix, ce que vous avez. On va venir donc, alors j'ai l'avantage d'avoir un élastique, donc je peux crocheter mes pieds dedans, sinon vous accrochez juste le haut des orteils. Ok? Donc là, on va juste se tenir bien droit et on va venir pousser très loin devant les orteils et je relâche tranquillement. Je pousse très loin et je relâche tranquillement. Ça, on va le faire 10 fois. 3 et je relâche tranquillement. Les pieds sont bien collés, les chevilles bien dans l'axe. On souffle. Tranquillement. Ok, on y retourne. Allez, je viens chercher à tirer mes orteils loin devant et je relâche tranquillement. 2 et je relâche. 3, je pousse et je relâche. 4 et je relâche. 5. Et je souffle. Allez, encore 3. Deux. Je relâche. 1. Et je relâche. Ok, super. Ok. Alors, est-ce que ça a été pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était trop dur, trop facile? On n'étire pas trop les jambes vu qu'on a bien forcé dessus. Vous pourrez vous étirer tranquillement demain. Et surtout, on va aller prendre une bonne douche. S'il y en a qui veulent venir participer, qui veulent venir dire un mot, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Surtout, n'hésitez pas à nous faire des retours, qu'on puisse adapter au mieux nos séances et que ce soit que vous puissiez être au taquet le soir, tranquillement. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous reverrai la semaine prochaine. Et en attendant, sinon, on vous dit à lundi donc pour le hit de Nelly au taquet à 19h, toujours sur Insta. Et retrouvez-nous en replay donc sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas à donc surtout refaire les séances quand vous le souhaitez. On n'hésite pas à refaire. J'ai pas d'élastique. On fait avec un t-shirt. S'il n'y a pas d'élastique, avec un t-shirt. Un grand t-shirt qu'on peut caler derrière ses orteils. De rien, Nico. Tant mieux si t'as kiffé la séance. Merci. Bon week-end, Camille. Salut. Bon week-end à tous. Reposez-vous bien. Et puis, on se retrouve lundi.
Lundi à 19h pour le hit de Nelly. Un hit cardio, il me semble, histoire de bien, bien souffler, d'être au taquet pour la semaine, de bien commencer la semaine. Et du coup, nous, on se retrouve vendredi pour un programme spé-gym de rien, les filles. Merci à vous d'être restées et d'avoir fait la séance. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Merci d'avoir été là. C'était bien, tant mieux, au taquet. Super, je suis contente. N'hésitez pas, s'il y en a qui veulent participer, nous donner son ressenti. N'hésitez pas à nous demander de partage d'écran. Ce sera avec plaisir de vous voir. J'ai fait la séance avec ma maman. Oh, trop bien, Lisa, super. Top. On n'hésite pas, papa et maman peuvent absolument faire les séances. Il n'y a aucun problème. Ça fait mal, ouais, ça pique un peu au niveau des jambes et des abdos. Mais c'est ce qui est bon, c'est ce qui fait du bien. Surtout, repos ce week-end pour être au taquet pour la semaine prochaine. On n'hésite pas à bien s'étirer dans le week-end. Bon, vu que personne veut venir partager l'écran, moi je vous dis à vendredi prochain et à lundi pour ceux qui seront là avec Nelly. Salut tout le monde, au revoir.